Bonjour à tous. Pour faire ce sac, il vous faudra un crochet numéro 5, une aiguille à laine, des ciseaux, deux mousquetons ronds comme ceci, une pelote de cordon en coton pour le crochet numéro 4 ou 5, ainsi qu'une pelote de fausse fourrure. Alors, avec la laine fourrure, on va monter 22 mailles en l'air. Alors, vous crochetez assez lâche, pas trop lâche, mais plutôt souple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Cette laine est pas si difficile à travailler. On croit vraiment que ça va être impossible, mais c'est vraiment très facile de travailler avec. Il suffit juste d'avoir quelques petits trucs et c'est impeccable. Donc je vais vous les donner, ces petits trucs et ces petites astuces. Alors, on passe à première maille, on va dans la seconde et on fait une maille serrée. Dans celle d'après, une maille serrée. On les voit assez bien. Si vous n'êtes pas sûr, avec votre pouce et votre index, vous touchez la maille que l'on vient de faire, vous passez à côté, vous sentez un petit creux et vous passez le crochet dedans. Ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. On passe à côté. Hop. 5. On a la maille ici, on touche comme ça, on sent le creux de la maille d'après. 6, 7, 8, on monte un peu les mailles, on les fait pas très serrées. 9, 10, 11, 12. 13. Vous voyez, je monte un peu la maille à chaque fois. Hop, 14. Je la monte un peu. 15. Je fais pas juste comme ceci et je la ferme de suite. Je la monte un peu. 16. 17. 18. 19. 20 et dans la dernière, 21. 21 mailles serrées sur le premier rang. Voilà ce que nous obtenons. Une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première maille, on vient comme ceci. On peut les voir hein, sur le dessus. Vous voyez, on les voit sur le dessus. Sinon, vous touchez comme ça, vous sentez un petit creux. Hop, vous faites votre première maille. Vous passez au creux suivant. Une deuxième maille, etc. jusqu'à la 21e. Je fais le rang avec vous pour vous montrer. 3. Et là, je sens le creux suivant. Je passe mon crochet. 4. Au creux suivant. 5. Au creux suivant. 6. En montant toujours un peu les mailles. Au creux suivant. Voilà, je monte. Hop. 7. Au creux suivant. Elle est là, ma maille est là. Hop, je passe au creux suivant. 8. Je passe au creux suivant, 9, au creux suivant, 10, etc. 11, 12, 13, 14, 15. 16, en montant un peu la maille à chaque fois. 17, 18, 19, 20 et la dernière, 21. Voilà le deuxième rang. Et on va faire
ces rangs de 21 mailles serrées sur 29 rangs. On va faire donc 29 rangs de mailles serrées. À chaque fois, comptez jusqu'à 21. Ce qu'il y a de bien avec cette laine, c'est que si jamais vous arrivez, il vous en manque une, vous faites une deuxième dans une maille. Et inversement, si vous en avez trop, vous décalez, vous sautez une maille et rien ne se verra. Mais essayez de le faire comme ça, en les touchant. À chaque fois, vous savez où vous devez piquer. Voilà, donc on se retrouve lorsqu'on a 29 rangs de 21 mailles serrées. J'ai terminé mes 29 rangs de 21 mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Alors c'est vraiment très très doux, très agréable, on dirait une peluche. On va maintenant plier le travail en deux et venir coudre sur les côtés à l'aide de la grosse aiguille à laine. Donc je coupe à peu près deux ou trois fois la hauteur du sac. Je laisse comme ça un morceau. Je fais une maille en l'air. Je tire le fil. Et je viens prendre l'aiguille à laine pour coudre le côté. Donc ça, rien de plus simple. En plus, c'est une grosse laine qui ne... La fourrure, elle se confond... Dans les autres mailles, on ne voit absolument rien. Voilà. Je mets bord à bord. Je vais passer de maille en maille. Toujours pareil. Hein. On cherche comme ça avec les doigts et on trouve un creux. Et on va rentrer dans les creux. D'un côté et en face. Voilà, de l'autre côté, la même chose, on pique dans les mailles. Voilà, etc. jusqu'au bout pour coudre le côté. On tire un petit peu, mais pas trop. Il faut que ça soit quand même bien cousu, qu'il n'y ait pas de trou. Voilà, on tend un peu et on continue. On passe à la maille d'à côté, à la maille d'à côté d'en face, à côté, et on continue la couture du bord jusqu'en bas. On fait de même, on reprend une aiguillée avec la laine et on refait de même de l'autre côté. Je vous retrouve lorsque j'ai cousu les deux côtés. Lorsqu'on a fini la couture, on vient cacher les fils, rien de plus simple, on passe dans des mailles. Le fil devient invisible très facilement, se confond avec le reste des peluches et de la fourrure. Voilà, on peut même faire, si vous voulez, on peut faire un petit nœud. Hop. Je passe dans la boucle, je tire, je fais un petit nœud et je continue de cacher le fil sur quelques mailles. Et je coupe le fil à ras. Vous voyez, plus rien ne se voit. Donc avec le petit bout du début, je fais la même chose. Je passe d'abord dans quelques mailles puisque le bout du fil est court. Ensuite, j'enfile l'aiguille. Et je tire le fil dans les mailles. Voilà, je coupe le fil à ras. Voilà, notre couture est terminée. Maintenant, on retourne le sac. Donc, voilà ce que ça donne. On va faire le haut du sac avec donc le cordon gris, comme ceci. Donc, on vient se placer sur le bord du sac, on trouve une maille, on passe à l'intérieur, on prend le cordon, on tire une boucle,
Alors, je passe dans une maille, je tire le cordon, voilà, je fais une maille en l'air, et dans la même maille, je viens faire une maille serrée. Et je vais faire tout le tour en maille serrée. De la même façon, on va passer d'une maille à l'autre en touchant. On voit un creux, on passe, on fait une maille serrée. On passe au creux suivant, une maille serrée. On passe au creux suivant, une maille serrée. Et on fait ça tout le tour de notre sac. Ça va resserrer un tout petit peu. Je garde le même crochet, hein. Ça va resserrer un tout petit peu le haut du sac. Voilà, chaque fois que j'ai un creux, je fais une maille serrée. Voilà, je continue. Je vous retrouve lorsque j'arrive au bord. Voilà, je me retrouve sur le côté. Là où il y a la couture, on sent un peu qu'il y a la couture. Je fais aussi une maille serrée au milieu et je repars de l'autre côté. Maille serrée dans chaque maille que je trouve, c'est-à-dire dans chaque creux que je sens avec les doigts. Voilà, je prends un peu de fil. Je suis ici, je passe à côté, je sens un creux, hop, je fais une maille serrée. Je passe à côté, je sens un creux, je fais une maille serrée et on fait ça tout le long. Je vous retrouve lorsque j'arrive au début du rang. Voilà, j'ai fini le tour du sac. J'arrive à la première maille serrée que j'avais faite en début. Je fais une maille coulée sur cette maille. On a fini le premier rang de mailles serrées. Je fais une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Vous la marquez si vous voulez pour pas vous perdre lorsque vous arrivez à la fin du rang. Vous pouvez marquer la maille. Et on fait comme ça des rangs de mailles serrées. Alors je vais prendre l'autre sac pour vous montrer. Voilà un sac qui est terminé dans une autre couleur. Alors j'ai fait 1, 2, 3, 4 rangs de mailles serrées. Je recompte 1, 2, 3, 4 et puis ensuite un rang de... Je crois que j'en ai fait 5 même. 1, 2, 3, oui, 5 parce qu'on ne le voit pas avec le rang de mailles coulées. Alors 5 rangs de mailles serrées. Donc je continue, je fais la même chose, une maille serrée sur chaque maille serrée. Maintenant ça devient plus simple puisqu'on les voit très bien. À la fin du rang, je viendrai faire une maille coulée dans celle-ci, une maille en l'air et je repars. Et je fais donc 5 rangs de mailles serrées. Je vous retrouve à la fin. À la fin des 5 rangs de mailles serrées, je fais un rang de mailles coulées pour faire cette petite bordure. Vous marquez la première maille lorsque vous avez terminé le rang et vous faites un rang de mailles coulées. Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles coulées. Il me reste une maille coulée à faire que je ne fais pas. Je coupe un morceau de fil, je tire le fil, je vais recréer la maille. Pour recréer la maille, on passe donc celle qu'on doit faire. On rentre dans la première maille que l'on avait marquée, le crochet de l'avant vers l'arrière. On tire le fil, on va le repasser juste là d'où il, vous voyez d'où il vient le fil, on le repasse au même endroit. On peut prendre l'aiguille à laine. Donc on le passe juste là, au même endroit. Et voilà, on recrée la dernière maille, plus rien ne se voit. À l'intérieur, on va cacher le fil. On le passe dans plusieurs mailles. Comme ceci, on fait un petit retour. Pour que le fil soit bien fixé et qu'il ne se défasse pas. Voilà, on coupe le fil. Voilà,
le joli résultat que ça donne. Vous voyez? Très joli, bien profond. Alors, je vais le mesurer en largeur, il fait 26 cm et en hauteur, il fait 19-20 cm à peu près. Oui, 19 cm. Donc, on va s'attaquer maintenant à la hanse. Le corps du sac, lui, est terminé. C'est très très agréable et je trouve que ça a un rendu splendide. Alors, pour la bandoulière, on fait une chaînette de la longueur désirée. C'est-à-dire que si vous voulez faire une bandoulière normale, c'est à peu près 80 cm. Moi, je la fais d'un mètre, 1,05 m, parce que j'aime bien la croiser. Donc, il faut qu'elle soit un peu plus grande. Donc, vous faites la longueur que vous désirez. Pour moi, ça sera 1 mètre. Si vous voulez vous arrêter à 80 cm, vous arrêtez. Vous voulez la faire beaucoup plus courte, juste pour le mettre à l'épaule, comme ça, vous faites un petit peu moins. Ça, je ne peux pas vous dire combien de centimètres vous voulez. Moi, je fais 1 mètre à peu près de chaînette, et je vous 1 mètre, 1 mètre 05, et je vous retrouve. Donc, j'ai fait ma chaînette de 1 mètre, pour ma part. Je saute la première maille, je vais dans la seconde, et je fais une maille serrée. Je vais faire des mailles serrées tout le long de la chaînette. Maille serrée sur chaque maille. Et on se retrouve au bout de la chaînette. Lorsqu'on a fini toute la bandoulière, qu'on arrive ici, on va tourner et on va repartir de l'autre côté. J'arrive à la dernière maille serrée. Voilà, j'ai fait tout le rang. Je rajoute deux mailles serrées supplémentaires, une et deux. Je tourne le travail et je repars dans l'autre sens. Donc, je refais une autre maille serrée encore dans la même maille. Donc, on avait la dernière maille, deux mailles serrées supplémentaires et la première du rang. On a quatre mailles dans celle du bout. Et on continue ensuite dans la maille d'après, une maille serrée. J'en profite pour cacher le fil du début. Je le laisse comme ça tout le long. Et maille serrée au-dessus et en face de chaque maille serrée. Je fais ça jusqu'au bout du rang. Et je vous retrouve pour finir la bandoulière. Donc voilà, je finis la bandoulière et je vous retrouve. Voilà, j'arrive au bout de mon rang. Dans la dernière maille, je rajoute donc 3 mailles serrées, puisqu'il y en avait, il y avait la première, donc ça fera 4, comme de l'autre côté, 2 et 3. Je fais une maille coulée dans la première maille que l'on avait faite. Je coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil et je vais venir le cacher, comme ceci, dans les mailles à l'intérieur de la bandoulière. Je cache le fil et je vous retrouve. Voilà, j'ai rentré le fil. Voilà ce que ça donne. Ma bandoulière est presque terminée. J'ai pensé, pour assortir au sac, de rajouter un rang avec la laine fausse fourrure au centre. Donc, juste un rang de mailles coulées au centre. Donc, on pique dans le trou là de la première maille. On prend notre fausse fourrure. Je tire le fil. Je passe dans la maille suivante, je tire le fil, je fais une maille coulée, je vais dans la maille suivante, je tire le fil, je fais une maille coulée, etc. Dans toutes les mailles, une maille coulée, pas serrée, hein, pas serrée du tout. On va faire ça tout le long de la bandoulière. Je vais vous montrer ce que ça donne. On a les mailles de chaque côté. Et au milieu, un peu de fourrure pour assortir au sac. J'avais pensé que ça serait une bonne idée. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'adore ça. Les deux textures mélangées entre le coton et la fourrure vont vraiment bien avec le sac. Alors, je continue à faire mes mailles coulées jusqu'au bout de la chaînette. Ensuite, on prend une aiguille à laine,
On vient cacher le fil qui reste dans la fourrure. Ça, c'est très simple. Et on se retrouve lorsqu'on a fait toutes les mailles coulées de notre bandoulière. Voilà, au centre, on a un trou, on pique et on sort la laine. On pique une maille coulée, on pique une maille coulée. Très simple. Et un résultat, je trouve, très très joli. Voilà, je finis toute ma bandoulière et on se retrouve à la fin. Donc, on se retrouve une fois que la bandoulière est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'accrocher à votre sac. Alors, moi, j'ai des anneaux comme ceci, des mousquetons. Donc, on passe dans quelques mailles sur le côté du sac. Voilà, comme ceci. Et on rentre, bien sûr, la bandoulière à l'intérieur. Voilà. D'un côté, on la met dans le bon sens pour pas qu'elle tourne, qu'elle vrille. Et on la met de ce côté. Vous pouvez rajouter, bien sûr, un petit bouton pression comme ça, un fermoir à coudre ici. Et ici, pour fermer, ce n'est pas une obligation. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et aussi, on peut rajouter une petite plaque comme ça, handmade. Moi, j'aime bien la mettre, par exemple, à ce niveau. Alors, si vous avez des mousquetons argent, c'est bien aussi. Or et argent, maintenant, ça se mélange. Moi, je n'avais pas en argent, donc j'ai mis ça. Mais là, la plaque, je préfère la mettre couleur argentée. Ça va très, très bien avec le sac. Donc, je mets la plaque comme ceci. Ensuite, on referme. D'un côté. Et de l'autre. Voilà. On serre bien. Ça donne un fini vraiment très boutique. C'est vraiment très joli. Alors, je finis ma bandoulière. Je mets le deuxième mousqueton. Alors, j'essaye de le passer dans le trou. Voilà. Dans le sac. On passe quelques rangs quand même. Un rang, ça suffit pas, ça va trop tirer dessus. Voilà, quelques rangs. Voilà, votre sac de terminé. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Un très joli sac. Je vais mettre une pelote à l'intérieur pour que vous voyez la profondeur. C'est très très joli. Voilà donc un petit sac pour la saison en imitation fourrure. J'espère que mon tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao ciao!